Bonjour messieurs, dames, nous allons voir que dans la messagerie électronique des Outlook, nous avons l'option d'envoyer des messages avec copie à d'autres destinataires. Prenons cet exemple. Choisissons notre premier destinataire dans l'échange de ceci, A, le destinataire principal. Et ensuite, regardez ici, nous avons les options pour activer l'échange de ceci pour les destinataires que nous voulons mettre en copie. Ça, c'est la copie simple dont le premier destinataire peut savoir qu'il aura reçu aussi le même message. Et celle-ci, qui est la copie pour les destinataires invisibles. Par exemple, quand il s'agit d'un autre groupe d'amis dont on n'a pas intérêt qu'ils se connaissent ou qui ont des nouvelles les uns des autres. Donc, ouvrons le premier champ de ces sites copie. Nous choisissons notre destinataire. Nous tapons l'adresse électronique d'autres destinataires. Mais il se passe que j'ai un autre ami qui appartient à un autre groupe qui ne connaissent pas ni Fovagra 1, ni Fovagra 2, ni Fovagra 4. Voilà. Et c'est comme ça que nous pouvons préparer des copies à tous les destinataires que nous souhaitons, en partageant ceux qui auront des nouvelles des autres et ceux qui seront exclusivement renseignés et les autres n'auront pas connaissance de l'arrivée de cette information à ces destinataires occultes. Voilà, une fois que ça s'est fait, le cours du message est préparé, l'objet est aussi préparé, et nous cliquons sur envoyer. Et nous vérifions dans notre section des messages envoyés que notre message est bien parti. Comment nous pouvons savoir que les copies ont été envoyées? Regardez ici, voilà. Les destinataires qui apparaissent en copie ouverte et en copie occulte. À bientôt.